Papa? Maman? Papa? Maman? Papa? Maman? Jing Jing! Mais qu'est-ce que cette fille va t'en faire? Écoute, Zhang Jianguo, on ne peut pas continuer comme ça. Elle ne peut pas rester plus longtemps. Je veux qu'elle parte dès demain. Il va falloir que tu prennes sur toi. Je suis quand même son père. Mon rôle est de prendre soin d'elle. Où est-ce que tu veux que je l'envoie? J'en ai vraiment marre. C'est devenu un réel fardeau. Pourquoi tu ne l'envoies pas chez sa mère? Parle plus bas. Elle est en train de dormir. Tu sais bien pourquoi elle est là. Sa mère passe beaucoup de temps au restaurant. Et elle s'occupe de Jing Jing. Si j'envoie Wenya là-bas... Et qu'elle se retrouve livrée à elle-même. C'est moi qui ai sa garde. Je suis responsable d'elle, tu comprends? Il n'y a pas de place pour moi dans ton cœur. Il n'y en a que pour elle. Est-ce que tu as pensé un peu à moi? C'est vraiment pas une façon de vivre, ça. Tu ne veux pas y réfléchir encore? C'est tout vu. C'est elle ou moi? Mais... si c'est pas elle qui s'en va, c'est moi. D'accord. C'est vraiment ce que tu veux? Wenya? Wenya? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Ne pleure pas. J'ai peur, papa. Il ne faut pas. Papa est là. Papa, pourquoi Kyuyan, elle me déteste comme ça? Est-ce qu'il va falloir que je m'en aille encore une fois? Écoute-moi. Wenya, tu vas t'installer chez maman. Et après quelques temps, papa viendra te chercher. C'est bien, chérie. Maman, téléphone. J'y vais. Tiens, tu veux un morceau de chocolat? Allô? Monsieur Wang. 40 tables. Pour ce soir? Wenya, avec plaisir. Ce que tu dessines? Vous pouvez compter je sur dessine nous, une Wang. Famille, pas regarde. C'est toi, là. Bien, avec les couettes. Là, c'est maman, là, c'est moi et là, c'est papa. Tu as vu? Regarde, tu as réuni toute notre famille. Oui, monsieur Zhang, je viens d'avoir Jing monsieur Wang au téléphone. Pourquoi moi j'habite avec papa et Kyuyan? Elle est méchante. Moi je veux habiter avec maman et toi, Jing Jing. Je veux que tu restes ici tout le temps aussi. Jing Jing, pourquoi on n'est pas comme tous les autres enfants et on a deux maisons, nous, au lieu d'une? Maman a dit qu'elle nous expliquerait ça quand on serait plus grande, alors. Au revoir. Wenjing, tu as pris tes médicaments? Oui, maman. Ça va, Wenya? Maman, regarde! Waouh! Mais qu'il est beau, ce dessin! Wenya, je ne peux pas m'occuper de toi, j'ai trop de travail, alors tu vas aller chez ton oncle et tu joueras avec ton cousin. Je veux pas! Sois gentille, Wenya. Tu pourras prendre tes crayons de couleur et dessiner tout le temps, et tu pourras manger du chocolat. Ce ne sera pas long, seulement quelques jours. Je veux pas! Je veux pas aller jouer avec mon cousin Dapeng. Moi, je veux rester avec toi et avec ma grande sœur Jing Jing. S'il te plaît, Wenya, maman n'a pas le choix. Ton oncle est déjà en bas et nous attend, alors on y va. Wenya, ta maman devait venir te chercher aujourd'hui. Alors pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Elle est très occupée. Elle viendra quand il fera nuit. Comment ça se fait que tu sois tout le temps chez moi? Pourquoi tu rentres pas chez toi un peu? Dapeng, on passe à table. J'arrive. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui?
On a fait une course et je suis arrivée le premier. C'est pas vrai, mais c'est super. Il faut manger avant que ça refroidisse. Ah, j'adore ça, ton ouais. plat préféré. Du super. Poisson à la sauce aigre-douce. On va se régaler. Tiens, je te sers. Régale-toi. Hein, que c'est ton plat préféré. Ouais. Alors, ça te plaît? Beaucoup. Voilà, c'est pour toi. Tiens, je t'ordonne. Comme ça, tu deviendras grand et fort. Tu veux que je te prenne ça? Dis-moi ce que tu veux. Non, j'en veux pas. Tout ce que je veux, moi, c'est être avec toi. Je veux plus jamais qu'on soit séparés. Wenya, écoute-moi. Je reviendrai vite te chercher, c'est que pour quelques jours. Sois sage, Wenya. Alors, Uzen, dans quelques jours, c'est le nouvel an. Tu travailles encore jusqu'au réveillon cette année? Eh oui. D'ailleurs, si ça ne t'embête pas, je viendrai chercher Wenya le soir du réveillon. Aucun problème. Nous, elle ne nous dérange pas. Et nous y voilà. Attends, je vais ouvrir. Ouais. Ça y est, te voilà. Maman nous a acheté plein de vêtements. Viens dans la chambre, viens voir. Wenya, tu as dit bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que t'es belle. On dirait une petite princesse. Jing Jing, tu peux m'aider à mettre ça? Fais voir. Ce nœud est tellement joli. Tu devrais aller le montrer Allez, à maman. Vas-y, dis-moi. Combien est-ce que t'as dépensé pour les deux gamines? C'est le réveillon, je te signale. T'avais besoin d'amener la deuxième aussi? T'as encore dépassé les bornes? Ici, c'est chez les Wang. Sûrement pas chez les Zhang. Cette petite peste, je veux qu'elle dégage de chez moi tout de suite. Ou tu vas passer un sale quart d'heure. C'est de mon enfant que tu parles. Je veux qu'elle passe le nouvel an avec nous. Je ne vois pas où est le mal. Dis-moi, où est ton humanité? En quoi est-ce qu'elle te gêne? Elle ne t'a rien fait? Ça fait trop longtemps que je te supporte! Je te préviens. J'ai pas l'intention de l'élever. Si elle dégage pas tout de suite, c'est moi qui la vire. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, toi! Ne t'approche pas d'elle! Maman! Ne la tape pas! Tu crois que tout te permet, hein? Hein? Pourquoi est-ce que je devrais élever l'enfant d'un autre? Non mais qu'est-ce qu'elle s'imagine? Que l'argent ça pousse sur les arbres? Allez, Wenya, ne pleure pas. Qu'elle dégage! Il a trop bu, c'est pour ça qu'il fait une scène. Wenjing, vous allez aller chez papa toutes les deux. D'accord, Wenya, je reviendrai rapidement. Hein? Écoute, chérie, quand Jiangbo sera arrivé, on pourra commencer. Jusque-là, on attend. D'accord. Ça y est, le voilà! Jing Jing, va mettre ça dans la chambre. Attends, Kyuyan, je vais t'expliquer. Il s'est passé quelque chose. Je croyais qu'elles devaient passer le réveillon chez leur mère. Pourquoi tu veux tout le temps me les imposer? Qu'est-ce qu'elles fichent ici? Allez, arrête. Il faut que tu comprennes. C'est le réveillon.
Et il est déjà très tard. Laisse-les passer une nuit tranquille. Sa propre mère ne veut pas d'elle. Alors pourquoi moi je devrais m'en occuper? J'ai le droit de passer un bon réveillon ou pas? Calme-toi, j'ai compris. C'est ta faute! S'ils se bagarrent encore, alors qu'est-ce que t'es venu faire chez moi? C'est la maison de mon papa ici, alors c'est la mienne aussi. T'es qu'une enfant mal élevée dont personne veut. Je suis pas mal élevée. Si tu l'es. N'importe quoi. T'es mal élevée. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Je suis pas mal élevée. Winnie, arrête. Arrêtez de vous battre tous les deux. Arrête. Tais-toi. Arrêtez ça tous les deux. T'es pas chez toi ici. Qu'est-ce qui se passe? Maman, elles m'ont tapé. Où ça? Tu as mal? Tu as dit que j'étais mal élevée. Mais non, tu n'es pas mal élevée. Ma gentille petite fille. Zhang Jianguo, on ne peut pas continuer. Si elle reste, c'est moi qui m'en vais. Mais il faut faire quelque chose. Réagis, bon sang! Allez, calme-toi. Les filles, écoutez-moi. Vous allez devoir partir, rejoindre la vieille maison. Et moi, je viendrai plus tard. D'accord? Oui. Je vais dans un endroit inconnu. Dedans, il y a papa, mais maman est dehors. Je prends ma petite valise. Je vais dans une maison que j'ai connue. Maman est dedans, papa est dehors. Je prends ma petite valise. Sachant pas où aller, seule avec ma petite valise, qui est ma seule amie. Elle est ma seule maison, de laquelle je ne peux m'enfuir. Wenya, tu viens, on y va. Papa, me voilà. Tu ne vas pas encore me dire que je dois me trouver une femme. Depuis que j'ai divorcé, les choses se sont tassées. Quand Wenya était enfant, je ne me suis pas bien occupé d'elle. Tu sais, on a une bonne relation et c'est ce qui compte le plus pour moi. Elle a assez souffert à cause de moi. Elle va bientôt passer son examen d'entrée à l'université. Je tiens à lui offrir un environnement positif. Je ne veux penser à rien d'autre pour le moment. Tu es ma sœur, je sais que tu me comprends. Je vais te laisser. Wenya ne va pas tarder à rentrer. On se rappelle bientôt. Ok. Au revoir. Papa, je suis rentrée. Juste à temps. Va vite te changer. Voilà, c'est prêt. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Tu as maigri. Tu es prête pour l'examen ? Je sais combien tu as travaillé dur, alors. Je t'ai préparé le repas le plus nourrissant. Tiens, côtelette de porc sauce aigre douce. Waouh. Vas-y, sers-toi. Papa, tiens. Toi aussi, tu as droit. Merci. Il faut que tu prennes mieux soin de toi. Tu as l'air affreusement fatigué. Mais non, tout va bien.
Tu sais quel est mon vœu le plus cher. Je veux que tu sois admise dans la meilleure université, pour que tu puisses trouver un bon travail. Comme ça, je ne m'inquiéterai plus pour toi. Papa, t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu sois fière. Tu verras, je me trouverai un très bon travail et j'aurai une belle carrière. Bien. Je te resserre. Tiens, au fait, comment vont maman et Wen Jing? Ça fait un bout de temps que je les ai pas vus. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ta maman, elle est à l'hôpital. Quoi? On ne voulait pas que ça affecte tes études, alors on a décidé de ne pas t'en parler. Où est-elle? Wenya. Comment est-ce qu'elle va? Le médecin a dit qu'elle avait fait une hémorragie cérébrale. Heureusement, elle a été prise en charge à temps. S'il était arrivé un peu plus tard, il n'aurait pas pu la sauver. Tu sais, elle a beaucoup de chance d'être encore en vie. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec elle? Ce sale type n'est pas là, encore heureux. Comme d'habitude, c'est à cause de lui qu'elle est là. Comment ça? Raconte-moi ce qui est arrivé à maman, s'il te plaît. Ta mère l'a surpris à la maison avec une femme. Hein? Elle était furieuse. Tu imagines? Ça l'a complètement bouleversée. Et ce n'est pas tout. Il a vu dans quel état était ta mère. Et non seulement il s'en fiche, mais il a mis la main sur tout ce qu'elle possède. Il dépasse les bornes. Il faut que j'aille Wenya, le voir. Attends. Wenya. C'est maman la priorité pour l'instant. Elle a besoin qu'on soit là pour aller mieux. Laisse tomber. Et puis je t'en prie, évite de parler de ça devant elle, d'accord? Elle pourrait pas supporter tout ce stress. Elle a raison. L'important est qu'elle se remette de tout ça. Wen Jing, Wenya, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors maintenant que vous êtes là toutes les deux, je vais rentrer chez moi. Wen Jing, tu n'es pas très en forme. Je vais prévenir l'école que je quitte l'internat. Comme ça, je resterai avec toi. Maman, tes médicaments. Maman, tes médicaments. Vous êtes bien la fille de Tao Huizhen? Vous devez payer les frais médicaux de votre mère au plus vite. Autrement, on ne pourra pas continuer à la soigner.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes chez ma mère ici, je vous signale. C'est qui? C'est pour toi. Oh, Moigna. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne te fait rien que maman soit à l'hôpital. Tu n'es même pas venue la voir une fois. C'est mon père qui a tout payé jusque-là. Mais il est complètement à court d'argent. Je te demande de payer cette facture. Wania, tu ne le sais pas, mais ça fait des années que le restaurant tourne à perte et on a beaucoup de dettes à rembourser. Donc en fait, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Je te rends ça. Tu y retournes et dès que j'ai de l'argent, je vous en envoie. C'est bizarre parce que les affaires marchaient très bien quand maman était là. Elle est à l'hôpital, elle a besoin d'argent. Tu peux pas rester sans rien faire. S'il te plaît, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas son argent pour payer? Je t'ai dit que je ne pouvais pas. Le fait est que je n'ai pas d'argent. Après toutes ces années passées à ses côtés, comment tu peux rester de glace? Ça y est, tu as terminé? J'ai lancé la procédure de divorce. Et je ne veux plus jamais te voir. Allez, va-t'en! Comment tu peux lui faire Sors d'ici! Tu n'as pas le cœur! Il ne revient pas! Non, t'as pas le droit! Comment tu peux lui faire ça? Ça va, papa? Tiens, c'est pour toi. Dans 2 jours, ta mère sort de l'hôpital. Mais ton beau-père ne la laissera pas rentrer. Elle va se retrouver à la rue. J'aimerais que tu discutes avec ta mère et que tu lui proposes d'emménager ici avec nous. Tu sais très bien comment elle est. Elle refusera par fierté. Elle se sentirait trop rabaissée. Elle le prendrait même comme une humiliation. Avec Wenjing, on est d'accord. Il nous faut un appartement. D'accord. Je vais vous aider, si c'est ce que vous voulez. Allez, ne te couche pas trop tard. Prête? C'est l'heure de tes médicaments. Pose ça, tu veux. Je les prendrai plus tard. Wenya, viens donc t'asseoir. Il faut que je te parle. Wenya, tu n'as plus besoin de moi. Tu es grande. Si jamais un jour je venais à disparaître, tu devrais bien prendre soin de toi. Mais aujourd'hui, ça va mieux quand même. Écoute-moi bien. Ta sœur, elle n'est pas en forme. Elle ne peut pas travailler. Alors tu t'occuperas d'elle. Ce sera toi, le pilier de la famille. Maman! Tu vas mieux chaque jour. Alors je vois pas pourquoi tu me dis tout ça. Tu vas entrer à l'université. Je voulais que tu ailles étudier à l'étranger. C'est pour ça que je travaillais si dur. Et maintenant, non seulement je ne peux plus m'occuper de vous deux, mais en plus, je suis devenue un fardeau. Maman, tu n'as pas le droit de dire ça. Regarde,
Wenjing et moi, on est grandes. Alors, quelles que soient les difficultés, tu peux me croire, on s'en sortira. Ne t'encombre surtout pas l'esprit. Maman, tu devrais te reposer. N'y pense plus. Madame Zhang, excusez-moi. On comprend pas, là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement? Ah oui. C'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Désolée, il faut que je réponde. Ok, d'accord. Alors... Wenjing, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Papa est à l'hôpital. On lui a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale. Comment ça? Comment c'est possible? Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va aller. Je ne souffrirai pas longtemps. Concentre-toi sur tes études. Papa, ne t'en fais pas. Je travaillerai très dur et j'entrerai à l'université. Thank you.
Jamais je n'aurais imaginé que Zhang Guo finirait comme ça. Et résultat, ils n'ont plus un sou. J'avais dans l'idée d'agrandir notre usine en sollicitant son aide. Et voilà, il n'y a plus d'espoir. Tu voulais encore lui emprunter de l'argent ? Mais est-ce que tu te rends compte qu'on lui doit déjà une très grosse somme ? Tu réalises que la mère de Wenya est grabataire et que son père est sur le point de mourir ? Ce sont eux qui ont besoin d'argent. À mon avis, on devrait leur rembourser ce qu'on leur doit. Et comment on fait ? Tu sais très bien qu'on n'a pas les moyens pour l'instant. Ce sont les ouvriers la priorité, et aussi les autorités. T'as perdu la tête ou quoi ? Comment veux-tu qu'on fasse ? Tonton, Tati ! Tiens, Wenya. J'ai besoin d'aide. Tu es occupée en ce moment ? Mes parents sont tous les deux tombés malades. Seulement moi, il faut que j'étudie. Et Wenjing, elle n'y arrivera jamais toute seule. Est-ce que tu peux te libérer pour prendre soin de papa ? Ça devrait pas. Wenya, ton oncle et moi, on n'a plus une minute depuis qu'on a notre affaire. Et tout récemment, on a choisi de s'agrandir. Tu imagines tout le travail que ton oncle va avoir ? Wenya, on est débordés. Tu comprends, j'espère, hein ? Tu viens, on y va. Ne partez pas. Allô ? Bonjour, Tati. C'est Wenya. Est-ce que tu serais disponible pour t'occuper de mon père ? Ça me permettrait de préparer mon examen. Écoute, j'ai énormément de travail en ce moment. Je vais avoir du mal à me libérer. Ah, d'accord. Madame Xiao ? Oui, Wenya ? J'aurais besoin de m'absenter quelques jours. Et pour quelle raison tu t'absentes si souvent ? En ce moment, mon père est à l'hôpital. Et dans la semaine, il doit passer de nombreux examens. Wenya, il reste 3 mois pour te préparer pour l'examen. Ce que tu traverses est une épreuve. Ton père est malade. Il faut t'occuper l'esprit. Fais-le en travaillant pour toi. Vous avez raison. Je vais réfléchir à tout ça. Wenya, elle est tellement adorable. Oui, c'est vrai. Elle est intelligente, elle a de bonnes notes. Elle pourrait entrer dans une grande université. Tu te rends compte, elle et sa famille n'ont vraiment pas de chance. Sa mère est en fauteuil roulant. Son père est entre la vie et la mort. Quel pauvre enfant. C'est trop triste. Elle a la vie dure. Et si ça continue, ça va affecter ses études. Si elle n'entrait pas à l'université, ce serait tellement injuste. Madame Diao ? Huizen, il faut que tu prennes du recul. La vie est faite de haut et de bas et on traverse tous des épreuves. Tu en connais des gens dont la vie est un long fleuve tranquille ? Malheureusement, on ne peut jamais savoir à quel genre de difficultés on va être confronté. Tu es d'accord avec moi ? Wenya, te revoilà. Regarde qui est passé nous voir. Hé, Xinning, Ji. Ah, Wenya. Wenya, qu'est-ce qui vous amène ? Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Tu veux qu'on t'aide ? Ah, je veux bien. Je viens juste d'acheter des fruits. Je vais aller nous préparer un petit tanka. Oui, d'accord. On n'a qu'à aller discuter dans le salon. Ça va ? Tu veux un coup de main ? Ça fait des années qu'on est amis. Vous me connaissez bien. J'ai un certain esprit de compétition. Quoi que je fasse dans la vie, je ne supporte pas de rester à la traîne. Ces dernières années, pour améliorer mon train de vie et pour qu'on m'admire, j'ai vraiment tout donné pour gagner de l'argent.
Jamais j'aurais cru que les choses tourneraient de cette façon. J'ai tout perdu. Je ne suis plus rien maintenant. Je suis malade. Et je suis devenue un fardeau pour mes filles. Pour tout vous dire, si mes filles n'étaient pas là, je n'aurais aucune raison de vivre. Wizen, tu as tellement de chagrin. Je sais exactement ce que tu traverses. Quand on vit ce genre de choses, on est bouleversé. Il y a maintenant quelques années, je me suis complètement ruiné la santé. Je travaillais de jour et de nuit pour que mon fils aille à la fac. Mais il n'a pas été à la hauteur. Il n'est pas allé à l'examen d'entrée et il s'est mis à parier. Non seulement il a perdu l'argent de la famille, mais il se battait tout le temps jusqu'à ce qu'on le condamne. Il avait estropié quelqu'un. J'ai eu des moments très difficiles. J'avais perdu foi en la vie, j'étais inconsolable. Je ne comprenais pas pourquoi mon fils était devenu un tel bon à rien. Pourquoi il voulait humilier notre famille. J'étais au bout de mes forces, je ne pouvais plus continuer. Quelle histoire. Tellement de souffrance. Je comprends pas pourquoi la vie est si dure. Vous imaginez comme ce serait génial, une vie sans épreuve. Je pensais la même chose que toi à l'époque. Pourquoi la vie est à ce point semée d'embûches? Comment peut-on échapper à toute cette souffrance? J'ai trouvé des réponses, mais seulement après avoir commencé à croire en Dieu, quand j'ai compris certaines vérités. L'humanité est corrompue, alors toutes ces épreuves ont bien une raison d'être. Tu crois en Dieu? Croire en Dieu? Alors que j'étais arrivée dans une impasse, un collègue m'a présenté l'Évangile. Il a dit, tu vois, Dieu a créé l'humanité. Et Dieu dirige toutes les destinées humaines. C'est lui qui décide où on va et d'où on vient, par quel chemin, tout est écrit dans ses plans. Il m'a dit que si je croyais en Dieu, alors je pourrais comprendre le sens de la vie humaine. Que tout ce que, moi, je voyais comme des obstacles sur mon parcours, mes échecs et puis tous mes problèmes, tout est la volonté de Dieu. Nous aussi, nous avons vécu des situations difficiles. C'est justement grâce à ça que nous avons pu voir la vérité. Et obtenir la protection de Dieu, afin de progresser sur le droit chemin. Pour en bénéficier, nous devons savoir nous fier à Dieu et rechercher la vérité en toutes choses. Et si nous en sommes capables, Dieu nous protégera. Il nous donnera une issue, balayera nos revers et résoudra nos problèmes. Ce collègue a aussi témoigné de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, et il m'a donné un livre, Les Paroles de Dieu. La parole apparaît dans la chair. Depuis ce jour-là, je lis les paroles de Dieu tous les jours et je lui ai ouvert mon cœur. Je partage mes difficultés avec Dieu. Je prie souvent. On se réunit, mes frères et sœurs et moi, et on échange ces paroles. Ces moments-là me font tellement du bien. J'ai découvert que c'est Dieu qui contrôle le destin des gens. Il règne sur nous et il tient notre destin entre ses mains. Il est clair que si l'humain vit dans ces conditions, c'est parce qu'il a été corrompu par Satan. L'humanité a tourné le dos à Dieu, se privant ainsi de sa protection et s'est laissée attirer par Satan. Nous avons été accablés et dupés. Nos vies sont souffrances et tragédies. J'ai également découvert que les hommes sont guidés par l'orgueil et courent après la célébrité. Ce sont des manifestations du fléau de Satan. C'est pour ça que les gens traversent tant de souffrances. J'ai une vision claire de tout ça maintenant. Il s'avère que si Dieu nous laisse souffrir de cette façon, c'est pour que nous puissions voir clairement comment Satan s'amuse à accabler l'humanité. C'est la meilleure façon de nous faire haïr et rejeter Satan. C'est ce qui nous amène à nous rapprocher de Dieu, à chercher à vivre selon ses paroles, à chercher à nous débarrasser des entraves de la chair et à obtenir son salut. Telle est la volonté de Dieu. J'ai trouvé dans ses paroles une ligne de conduite à respecter. J'ai compris certaines vérités et j'ai compris le fond du problème. Je sens dans mon cœur que seul Dieu est amour, que seul Dieu peut tous nous sauver. Depuis que j'ai commencé à croire, je peux voir sa ligne de conduite, je peux voir également son salut et sa protection dans pas mal de choses. J'ai reçu l'illumination. C'est magnifique de croire en Dieu. Ça aide à savoir si on a choisi la bonne voie.
Au travers de ces paroles, Dieu Tout-Puissant aborde le sujet de la souffrance et nous explique d'où elle vient. Mais justement, on devrait les regarder ensemble. Vous comprendrez mieux. Je peux venir voir ? Bien sûr. Venez par là. Dieu Tout-Puissant dit : Adam et Ève, créés par Dieu au commencement, étaient des personnes saintes. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient saints, purs de souillure. Ils étaient aussi fidèles à l'Éternel et ne savaient rien de la trahison envers l'Éternel, parce qu'ils n'étaient pas dérangés par l'influence de Satan, ni par son poison, et étaient les plus purs de toute l'humanité. Ils vivaient dans le jardin d'Éden, sans souillure, libérés de la chair et dans la vénération de l'Éternel. Plus tard, quand ils ont été tentés par Satan, ils ont eu le poison du serpent et le désir de trahir l'Éternel. Et ils ont vécu sous l'influence de Satan. Ses pensées étaient remplies de mal et de souillure. N'est-ce pas Satan ? L'humanité s'est développée à travers des dizaines de milliers d'années d'histoire pour arriver là où elle est aujourd'hui. L'humanité de ma création originelle a depuis longtemps sombré dans la dégénérescence. Elle n'est déjà plus ce que je voulais. Et ainsi les gens tels que je les vois sont déjà indignes du nom d'humanité. Ils sont plutôt l'écume de l'humanité pillée par Satan. Ils sont les cadavres pourris mais vivants dans lesquels Satan vit et dont il s'habille. Les gens ne croient pas du tout en mon existence et ils ne reçoivent pas mon arrivée. Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements et par les célébrités et les grands personnages. Leurs mensonges et non-sens sont devenus la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan éduque les hommes à travers la belle culture traditionnelle de chaque nation et fait tomber l'humanité dans un abîme expansif de destruction et l'engloutit. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Lisons donc un autre passage. Pendant de nombreuses années, les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables. Non seulement ils manquent de volonté et de détermination, mais ils sont aussi devenus cupides et arrogants. Ils manquent de détermination qui transcende le soi, et plus encore, ils n'ont pas de courage pour ébranler les restrictions de ces influences sombres. Les pensées, tout comme la vie des gens, sont pourries. Leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement laides. Et même lorsque les gens parlent de leurs perspectives sur la croyance en Dieu, c'est insupportable à entendre. Les gens sont tous lâches, incompétents, méprisables, aussi bien que fragiles. Ils ne sentent pas de dégoût pour les forces des ténèbres. Et ils ne sentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Au contraire, ils font tout leur possible pour les expulser. Dès l'époque où l'homme avait connu les sciences sociales, son esprit était occupé par la science et la connaissance. C'est ainsi que celles-ci devinrent des outils destinés à administrer l'humanité. Et il n'y avait alors plus assez de place pour que l'homme adore Dieu. Et plus de conditions favorables pour adorer Dieu. Sa place s'est mise à diminuer de plus en plus dans le cœur de l'homme. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre, vide, sans espoir. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens. Et tous ont commencé à développer des théories des sciences sociales. La théorie de l'évolution et d'autres théories contrariant la vérité de la création de l'homme par Dieu pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. De cette façon,
ceux qui croient qu'il a tout créé deviennent de moins en moins nombreux. Et ceux qui croient en l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu. À la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose, la survie de l'humanité et le destin des pays ne sont plus importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide, qui ne se préoccupe que de manger, boire et de rechercher du plaisir. Wenya, tiens, c'est ton tour. Ah, ok. L'homme a traversé les âges avec Dieu, mais l'homme ne sait pas que Dieu régit le sort de toutes les choses et de tous les êtres vivants, ou comment Dieu orchestre et dirige toutes choses. C'est quelque chose qui a échappé à l'homme depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Quant à la raison, ce n'est pas parce que les voies de Dieu sont trop évasives ou parce que le plan de Dieu doit encore être réalisé, mais parce que le cœur et l'esprit de l'homme sont trop éloignés de Dieu. Par conséquent, alors même que l'homme suit Dieu, il demeure, sans le savoir, au service de Satan. Aucun homme ne cherche activement les traces ni l'apparence de Dieu, et aucun homme ne souhaite exister dans le soin et la garde de Dieu. Ils sont prêts à compter sur la corrosivité de Satan et du mal afin de s'adapter à ce monde et aux règles de vie que suit l'humanité méchante. À ce stade, le cœur et l'esprit de l'homme sont simplement sacrifiés à Satan et deviennent sa subsistance. En outre, le cœur et l'esprit humain deviennent un lieu dans lequel Satan peut résider et un terrain de jeu approprié pour lui. De cette façon, l'homme perd sans le savoir sa compréhension des principes d'être humain, mais également la valeur et le but de l'existence humaine. Les lois de Dieu et l'alliance entre Dieu et l'homme disparaissent peu à peu dans le cœur de l'homme, jusqu'à ce que l'homme ne cherche plus ou ne prenne plus garde à Dieu. Au fur et à mesure, l'homme ne comprend plus pourquoi Dieu a créé l'homme, ni ne comprend les paroles qui sortent de sa bouche, ou réalise tout ce qui vient de Dieu. L'homme commence alors à résister aux lois et aux décrets de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme se meurent. Dieu perd l'homme qu'il a originellement créé, et l'homme perd la racine de son commencement. C'est là la tristesse de cette humanité. Les paroles de Dieu Tout-Puissant? Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ce sont des paroles vraiment très profondes. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce qui explique pourquoi le monde est si mauvais, qui explique également toute cette dépravation, et pourquoi nos vies sont si pleines de souffrances, c'est essentiellement cette profonde corruption de l'humanité par Satan. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont claires à ce sujet. C'est uniquement après avoir subi ces souffrances que l'on a la possibilité de ressentir les ténèbres, de voir la corruption de l'homme, de sentir le besoin du salut de Dieu. Pendant des milliers d'années, Satan s'est servi du matérialisme, de l'athéisme ou encore du darwinisme et de beaucoup d'autres hérésies pour tromper le cœur des gens. Il a utilisé toutes sortes de démons et de personnalités du monde pour arriver à convaincre les gens. Des mensonges comme « la plus sûre des valeurs est l'individualisme, l'argent est la récompense de l'homme, il n'y a pas de Dieu, pas non plus de sauveur, chacun tient son destin entre ses mains. On est tous maîtres de nos vies. Ou bien alors, l'homme meurt pour l'argent, l'oiseau pour la nourriture, ceux qui travaillent avec leur esprit gouvernent les autres, et ceux qui travaillent avec leur corps sont gouvernés par d'autres. Toutes ces idées sont des poisons de Satan. Les gens s'y fient. Ils les considèrent comme des principes, ou comme des vérités auxquelles on peut croire. Tous ces gens,
Ils sont arrogants et imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils n'écoutent personne. Ils sont égoïstes, malhonnêtes et ils trichent. Ils sont bourrés de mensonges et ils se font tant de mal les uns les autres. Résultat, ils n'ont personne à qui ils peuvent se fier. Ils n'ont pas de relation véritable. Ils érigent des murs entre eux pour ne surtout pas se mêler. Ils sont sur leur garde en permanence. Les gens n'arrivent simplement pas à s'entendre. Il en faut tellement peu pour se faire tout plein d'ennemis. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Entièrement d'accord. Où est passée l'humanité ? Et qu'est-ce que ça met en évidence ? Que les gens sont vraiment corrompus. Et qu'ils sont très malfaisants. Tous les hommes rêvent l'argent et le pouvoir. La pauvreté est le pire des honneurs. Vertu et sens moral sont dépassés. C'est fou de les regarder se battre comme des chiens pour l'argent et comploter pour le prestige. Ils se trompent et se massacrent les uns les autres. Rien ne peut les empêcher de réaliser leurs objectifs individuels. Ils sont capables de faire des choses terribles et capables de tous les péchés. Même entre parents et enfants, entre mari et femme, on peut voir de la tromperie, de l'exploitation et de la trahison. Chacun s'occupe de son intérêt. Et tout ce monde est dépourvu de la plus élémentaire conscience. Tout ça est tellement vrai. Plus personne n'a de conscience. Et il nous est impossible de ne pas nous méfier. Impossible de savoir à quel moment on va se faire duper. La vie est vraiment épuisante. Pas étonnant que nos vies soient douloureuses dans un monde si malfaisant et corrompu. Le contraire m'étonnerait. Nous devons croire en Dieu et ne pas nous laisser détourner. Autrement, nous nous fions aux mensonges de Satan. Nous vivons dans le péché et nous nous sentons blessés au point que nos âmes sont meurtries. Alors comment vivre en paix et dans la joie ? Comment réussir à jouir du bonheur ? On ne peut pas. Tout le monde est mauvais et il n'y a plus aucune bonté humaine. À quoi bon exister si tout n'est que souffrance ? C'est pour ça que nous sommes là. La vie n'est facile pour personne et tout le monde a ses souffrances. Regardons un peu autour de nous. Quelle famille vit en harmonie ? Quelle famille a une vie heureuse ? Chaque famille a ses difficultés, et tout le monde est épuisé par un tel combat. Si les gens croyaient en Dieu, recherchaient la vérité et prenaient le droit chemin, alors ils pourraient être bénis par Dieu. L'humanité serait moins corrompue qu'elle ne l'est devenue, et les gens auraient à traverser moins de souffrances. C'est si triste que si peu de gens croient véritablement en Dieu. Et que la vérité intéresse si peu de monde. En Chine, par exemple, où le parti communiste athée est au pouvoir, on persécute les croyants et on opprime les églises. Dans ce genre de pays qui dédaigne Dieu, il n'y a pas la moindre bénédiction. Et c'est pour cette raison que la société chinoise est sombre et malfaisante. Que la vie des Chinois est épuisante et douloureuse. Vous savez que ce que je dis est vrai. Si Dieu n'était pas venu nous sauver, nous serions imprégnés de péché, et personne ne saurait comment se dégager des tromperies de Satan. Je suis complètement d'accord, tout ce que vous dites est vrai. Les gens sont tellement hypocrites les uns envers les autres, ils se manipulent, se jouent les uns des autres. Ils disent qu'ils sont tes amis, mais ce n'est pas vrai. Dès que tu en as besoin, ils décampent en moins de deux. Quand tu as de l'argent et de l'influence, tout le monde te flatte et t'admire. Mais dès que tu as des problèmes, tout le monde te laisse tomber. Personne ne veut plus te voir et personne ne vient t'aider. D'ailleurs, quand tu as des problèmes, ces gens-là se moquent de toi. Si on y réfléchit, quand j'avais de l'argent sous le coude, tous mes proches essayaient de s'attirer mes bonnes grâces. Mais depuis que je suis tombée malade, ils font tout pour m'éviter et refusent de m'aider. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que même mon mari avec qui j'ai vécu plus de 10 ans n'a pas hésité à me trahir. Et il a sauté sur l'occasion pour s'emparer de mon patrimoine. Je le sais, je le vois clairement. Les relations sociales ne sont que des échanges d'argent, des échanges d'intérêts. Elles sont dépourvues de sentiments. Il ne faut surtout pas s'y fier. Le plus triste, c'est que l'amour, ce n'est qu'un piège. C'est l'enfer sur terre. C'est fou comme ça m'a aidé de discuter, alors merci beaucoup.
croire en Dieu semble être le seul droit chemin pour nous. Quand on se prive de la protection de Dieu, on s'expose à une vie remplie de difficultés. S'écarter de Dieu engendre bien trop de souffrances. Oui, Zen. Tu peux voir clairement maintenant les ténèbres du monde humain. Et tu te rends compte que croire en Dieu est le droit chemin. C'est extraordinaire. Dieu sauve et protège les hommes qui croient véritablement en ses paroles. Tu as subi un grand nombre d'épreuves. Tu peux te présenter devant Dieu et recevoir son salut. Quelle joie! Et c'est une bénédiction déguisée. Je me sens capable d'accepter les choses quand on discute de la foi en Dieu. J'ai accumulé malheurs et souffrances jusqu'à aujourd'hui. Et seulement maintenant, je sais que ces épreuves avaient une raison d'être. Il se fait tard. Et si on mangeait quelque chose avant de continuer? Oui, d'accord. Tu n'as qu'à te reposer. Je m'en occupe. Attendez, on va s'en occuper, nous. Continuez de parler. Super. C'est l'occasion de vous montrer mes talents de cuisinière. Ah, d'accord. Allez-y, servez-vous. Merci. Oui, merci. Elles sont adorables. Ne te laisse pas abattre. Tu vas reprendre des forces. T'as remarqué? Sa bonne humeur. Maman est de bonne humeur aujourd'hui. C'est vrai. Je l'ai même vue sourire. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vue sourire. C'est vrai. Besoin d'un coup de main? Ah, justement. On se disait que ça a rendu le sourire à maman de vous avoir entendu parler aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tu sais, je comprenais pas que si la vie des gens était pleine de souffrances, c'était parce qu'ils s'étaient trop éloignés de Dieu et parce que Satan leur faisait du mal. Franchement, votre foi en Dieu nous a ouvert les yeux. C'est vrai. Ça permet de comprendre tellement de choses, de croire en Dieu. Alors, tu serais d'accord pour nous en dire un peu plus après manger? Ah oui. Oui, d'accord. Dieu Tout-Puissant révèle bien des vérités et il éclaircit beaucoup de mystères. Il nous explique comment faire, comment mener nos vies. Pour obtenir ses bénédictions, il nous montre le droit chemin. Si on continue à approfondir ses paroles, la vérité n'aura plus de secret pour nous. Tu vois, tout ce que Dieu a créé est tellement beau. Tu as bien fait de venir te promener. Ça, c'est sûr. C'est tellement réconfortant de se promener. Depuis que je vous entends parler de Dieu Tout-Puissant, mon cœur s'est énormément ouvert. Avant, je croyais aux adages du genre « la plus sûre des valeurs est l'individualisme ». L'homme meurt pour l'argent, l'oiseau pour la nourriture. Ou encore « il n'y a pas de Dieu, pas non plus de sauveur ». Chacun tient son destin entre ses mains. Il reflète tellement la réalité. Tout le monde s'identifie à ça. L'argent, c'est le pouvoir, ça facilite la vie d'en avoir, et ça permet aux gens de vivre dignement. C'est la raison pour laquelle je me suis tellement démenée pour gérer mon affaire. Je voulais gagner le plus d'argent possible. Résultat, j'ai mis ma santé de côté. Et je me retrouve maintenant en fauteuil roulant. Tous ces mensonges de Satan, c'est à cause de tout ça. Sans les paroles de Dieu Tout-Puissant, comment j'aurais pu le savoir? J'y aurais laissé ma peau. Je sais tout ça maintenant, heureusement. Cette dépravation ne fait que nous jeter dans la noirceur et le chagrin. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant définit clairement d'où provient le mal de ce monde et comment il s'y est installé. Croire en Dieu, lire et comprendre ses paroles, ça aide à voir la vérité.
Ça dénonce toutes les tromperies de Satan dans le monde. Et ça montre qu'on peut s'y soustraire. Tu as entièrement raison. Après quelques années, une fois que je connaissais les paroles de Dieu, j'avais réussi à comprendre énormément de vérités. Je pouvais empêcher les mensonges de Satan de me corrompre. Je regardais d'un autre œil les choses du monde. La célébrité, par exemple, amasser de l'argent, faire carrière. Tout ça ne rend pas heureux. On ne peut pas épuiser le moindre bonheur. Moi, ce que je crois, c'est que vivre dans la chair corrompue et vivre pour être admiré, ça n'apporte rien de bon. La souffrance est si grande qu'elle n'engendre que du mal. Je pense comme toi, c'est exactement ça. Maman, Xinming ! Où est Nia ? Je vous ai apporté de l'eau. J'ai vu un endroit sympa, un kiosque, juste là. Allez, on y va ? Si tu veux. Quand on croit en Dieu, on vit selon ses paroles. Il est à nos côtés. On peut comprendre et obtenir la vérité et on mène une vie sereine. C'est ça que j'appelle le vrai bonheur. À présent que je crois en Dieu et que je recherche la vérité de tout mon cœur, je ne suis plus perturbée par des choses comme la célébrité, le statut ou l'argent. C'est vrai que j'ai un petit peu moins d'argent et moins de plaisir matériel. Mais j'ai Dieu à mes côtés et je me fie à ses paroles. C'est un vrai réconfort. Dieu est mon pilier, je me sens sereine et je nage dans le bonheur. Et ça, je peux te dire que l'argent n'y est pour rien. C'est pas étonnant que tu aies l'air si joyeuse. Je vois bien comme tu es enjouée. Tu es tellement différente. Croire en Dieu, ça fait tellement de bien. C'est vrai. Si on ne croyait pas en Dieu et qu'on ne connaissait pas la vérité, on serait en train de se battre contre le destin, de se ruiner la santé au travail et de s'isoler. Et si on avait de l'argent, une bonne situation et du pouvoir, notre destin serait-il le même ? On connaît tous des gens qui ne croient pas en Dieu, dont la famille a beaucoup d'argent, qui ont des vies très confortables, mais pourtant qui ne sont pas heureux. Il leur manque la paix et la joie. Cette sensation de souffrance, tu sais, personne n'y échappe. Il y a tant de gens qui prennent de la drogue et qui y laissent leur vie. Certains vont jusqu'au suicide. Réfléchissez. En cas de catastrophe, est-ce que son argent, sa réussite sociale ou sa voiture pourraient sauver un homme ? On se fiche bien de la réussite ou encore de l'argent. En cas de catastrophe, ce n'est pas ça qui sauve. Exactement. Et tenez, le tsunami de l'océan Indien. Les gens qui avaient de l'argent sont morts exactement comme les autres. C'est vrai. Mais ceux qui croient en Dieu sont différents. Parce qu'on lit ses paroles, la vérité nous apparaît. On comprend sa volonté. Et notre vision de la vie est claire. On sait quel genre de personne Dieu loue et bénit. On recherche la vérité, on applique ses paroles à nos vies et on fait les choses qu'il recommande. C'est ce qui nous permet de nous éloigner du mal, de nous libérer des entraves de Satan et de marcher sur le droit chemin de la vie. Quand la vérité nous apparaît grâce à notre foi, on se libère et on peut vivre selon ses paroles. Et en cas de désastre, on a sa protection. Peu importe la nature du désastre, il nous sauve. Huizen, est-ce que ce n'est pas la plus belle bénédiction ? Ça l'est. Jusque-là, je n'avais pas compris que croire en Dieu, ça conduisait au bonheur et à obtenir sa protection. S'éloigner du droit chemin pour rechercher la richesse, une situation confortable ou la célébrité, ça ne peut pas te rendre heureux. Ça n'a aucun sens. Quelle que soit l'étendue de ton savoir, ça n'influe pas sur ton destin et ça ne peut pas t'apporter le bonheur. Xinming, pourquoi n'ai-je pas compris tout ça avant ? Grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, c'est comme si la lumière était entrée dans ma vie. Je revis. J'ai quelque chose à quoi me fier et je ne suis plus déprimée. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour nous sauver de tous les mensonges de Satan le diable. Ça, c'est le véritable amour. Je suis prête à accepter l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant et à aller au fond de ses paroles. Je veux aussi le suivre. Gloire à Dieu. Excellent. Si tu avais vu, maman était complètement déprimée et on l'entendait pleurer sans arrêt. Rien de ce qu'on lui disait ne la réconfortait. Wen Jing et moi, on était perdus. C'était pas facile de la voir souffrir autant. On ne savait pas quoi faire pour l'aider. C'est plus la même. Depuis qu'on partage les paroles de Dieu Tout-Puissant, maman a un tel regain de vie. Elle est sur le droit chemin. Elle suit Dieu Tout-Puissant. C'est incroyable. Gloire à Dieu. On dirait que les paroles de Dieu
peuvent changer une personne. C'est le cas. Et nous aident à venir au bout de nos souffrances. Du coup, moi aussi, je vais lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Le suivre, croire en lui. Ça va, comme ça? C'est bizarre comme tu l'as plié. C'est pas mal. Allez, pour une première l'encourager. Fois. Allez, tu en fais un autre. D'accord. Tiens, au fait, Oenya va passer son examen. Il faut absolument qu'elle étudie. Mais elle s'occupe aussi de son père. On a pris une décision. Pendant quelque temps, Sœur Lee et son mari iront prendre soin du père de Oenya à l'hôpital. Ça lui permettra de ne pas trop s'éparpiller. Comme ça, ça te tranquillisera un petit peu et tu pourras te reposer. Je ne peux pas accepter. Chacun répand l'évangile et fait son devoir. Vous êtes débordés. On ne veut pas être un poids pour nos frères et sœurs. On a le devoir de s'aimer entre frères et sœurs. Et on doit venir en aide à celui qui a des problèmes. Tout à fait. C'est bien dit. C'est si gentil. C'est tout à fait remercie normal. Remercie Dieu. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime tous. C'est un cadeau de Dieu. Tu le comprendras avec le temps. Oenya. Oenya, tout va bien. Merci de prendre soin de mon père. De rien. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Tiens, regarde, je t'ai changé l'eau. C'est gentil. Tu me la poses là? Je vais faire le ménage dans la chambre. D'accord. Waouh! Ah, te voilà! Oh, Oenya! Vous avez fait un sacré ménage? C'est trop gentil. Allons, voyons, Oenya. Tu ne me dois rien. On appartient à la même maison. Tu me laisses m'occuper de ton... Oh, mais non, arrête, je vais le voilà, faire. Et voilà, ça y est, elle recommence. Laisse-moi d'en faire. Ah. Tu vas te reposer un peu. On ne va pas tarder à passer à table. Coucou, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des herbes que j'ai ramassées à la montagne avec Sœur Wang avant-hier. Je les ai lavées et ensuite séchées. Elles marchent très bien pour lutter contre ce qu'a ta maman. C'est très gentil. C'est rien, allez, fais-moi voir ton sac. Le secret pour les prendre, c'est d'en mettre une poignée dans l'eau que tu fais bouillir pour ton petit déjeuner le matin. Tu as juste à mettre ça dans la casserole. C'est vrai. Oenya, ton examen? Ça va, ça s'est bien passé. Je prends la relève. Tiens, voilà. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait? On réanime. Bien. Allez.
Wenya, tu es tellement triste. Mais il ne faut pas que tu oublies à quel point il t'aimait. Il est parti pour de bon. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Wenya, ton père n'est plus avec nous. Mais ta sœur et moi, on est là. Il va falloir qu'on s'épaule pour traverser cette épreuve. Tu as eu une enfance difficile. Tu en fais les frais aujourd'hui. Depuis toute petite, tu n'as pas eu la chance d'avoir un foyer stable. Lorsqu'on a divorcé, tu es allée habiter avec ton père. Ta belle-mère te haïssait. Elle n'a pas laissé le choix à ton père. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était t'envoyer vivre avec moi. J'étais tellement déboussolée à l'époque. Tout ce qui m'intéressait, c'était mon travail. Je n'avais pas de temps à te consacrer. Alors j'ai demandé à d'autres gens de s'occuper de toi, tes amis et la famille. À cette époque, je n'arrivais pas à m'y habituer, à te voir toute seule, à attendre que je vienne te récupérer, avec ta petite valise. C'était comme si j'avais abandonné ma fille. Pour moi, c'était une vraie... Pourquoi est-ce que ma vie a été si dure? Et pourquoi je n'ai pas eu droit à une véritable famille? Je n'ai pas su être à la hauteur comme mère. Je n'ai pas pris soin de toi. Je t'ai complètement laissé tomber. Désormais, ton père n'est plus avec nous. Je suis en fauteuil roulant. Et ta sœur aussi est malade. Tu n'es encore qu'une enfant. Tu es tellement jeune. Et le fardeau de la famille est retombé sur tes épaules. Ma petite fille, c'est tellement difficile de voir souffrir son enfant. Je m'en veux terriblement. Maman, ça va aller maintenant qu'on croit tout en Dieu. J'ai ressenti dans la maison de Dieu l'amour des frères et sœurs, la chaleur de la famille de Dieu. Si je ne croyais pas en Dieu, je pourrais pas continuer. Depuis qu'on croit en Dieu, on a ressenti son amour et celui d'une famille. Et on sait maintenant que seul Dieu est amour, que seul Dieu aime les gens. Il faut qu'on vive en se fiant à Dieu, non pas en se fiant aux gens. Mon Dieu, vous m'avez sauvée. Vous m'avez donné l'amour et donné la chaleur d'une famille. Je suis prête à croire en vous à jamais. Prête à vous suivre. Mon Dieu, vous êtes le rocher auquel je m'accroche. Depuis que mon papa est mort, je souffre beaucoup. Mon Dieu, je vous en supplie. Guidez-moi et amenez-moi sur la bonne voie. Amen. Wenya. Wenya, Xinming est là. Tu viens la voir? On doit prier davantage pour elle. Bonjour, Xinming. Bonjour, Wenya. Viens. Dis-moi, comment tu te sens? Ça va mieux. Wenya, ton papa est décédé. Tu dois surmonter ton chagrin. Tu sais que Dieu orchestre toutes les choses. Dieu régit le sort de tout le monde. Les gens arrivent sur Terre avec une mission bien précise.
Et une fois qu'ils ont rempli cette mission, ils s'en retournent. Est-ce que tu comprends le principe? Si tu comprends comment ça marche, tu pourras surmonter ton chagrin. Les choses du passé sont révolues. Et une fois qu'on croit en Dieu, on commence à progresser sur le droit chemin. Si on se conforme vraiment aux paroles de Dieu, si on obéit à son œuvre, il nous bénira assurément. C'est à partir de là que Dieu nous accompagne. On ne se sent plus jamais seul, car l'Église est notre famille. Quelles que soient nos difficultés, on peut prier Dieu. Il nous viendra en aide et nous guidera. Est-ce que tu me crois? Et si on lisait les paroles de Dieu Tout-Puissant maintenant? D'accord. Aussitôt que tu viens au monde, en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Tu assumes ton rôle dans le plan de Dieu et dans l'ordination de Dieu. Tu commences le voyage de la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et à l'arrangement que le ciel a en réserve. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa destinée. Car seul celui qui domine sur toute chose est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a été stable dans son œuvre, en gérant cet univers et en dirigeant le changement et le mouvement de toute chose. Comme toute chose, l'homme reçoit tranquillement et inconsciemment la nourriture de la douceur, de la pluie et de la rosée de Dieu. Comme toute chose, l'homme, sans le savoir, vit sous l'orchestration de la main de Dieu. Oenya? L'humanité qui a quitté l'offre de vie du Tout-Puissant ne sait pas pourquoi elle existe, et pourtant elle craint la mort. Il n'y a pas de soutien, aucune aide. Mais l'humanité est toujours réticente à fermer les yeux, bravant tout, traînant une existence ignoble dans ce monde, dans des corps dépourvus de conscience d'âme. Tu vis ainsi, sans espoir. Il existe ainsi, sans but. Il n'y a que le légendaire saint qui viendra pour sauver ceux qui gémissent dans la souffrance et attendent désespérément son arrivée. Cette croyance ne peut être réalisée à ce jour chez ceux qui sont inconscients. Cependant, les gens y aspirent toujours autant. Le Tout-Puissant a pitié de ces gens qui souffrent profondément. En même temps, il en a assez de ces gens qui n'ont pas de conscience. Parce qu'il doit attendre trop longtemps pour une réponse claire de l'homme. Il veut chercher ton cœur et ton esprit. Il veut t'apporter de la nourriture et de l'eau et te réveiller, de sorte que tu n'aies plus soif, que tu n'aies plus faim. Lorsque tu es fatigué et quand tu commences à sentir la désolation de ce monde, ne sois pas perplexe, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, t'accueillera généreusement à tout moment. Il est à tes côtés et veille sur toi. Et il attend que tu te tournes à nouveau vers lui. Il attend le jour où ta mémoire va soudain se réveiller pour comprendre que tu es venu de Dieu. Tu réalises en outre que le Tout-Puissant a toujours été là à te surveiller, en attendant tout le temps ton retour. Il espère, amèrement, il attend une réaction sans réponse. Sa surveillance est inestimable et est destinée au cœur et à l'esprit des humains. Peut-être que cette surveillance est sans limite. Et peut-être que cette surveillance est arrivée à sa fin. Mais tu dois savoir
exactement où sont ton cœur et ton esprit maintenant. Wenya, après ces paroles de Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu sens que c'est Dieu, le Seigneur de la Création, en personne, qui nous communique ses idées? Dieu s'adresse à nous avec ses paroles. Il nous apporte du réconfort et nous guide. Ses paroles sont des vérités. On est tous les enfants de Dieu et lui seul prend soin de nous. C'est Dieu qui est à la baguette, qui orchestre toute notre vie. Peu importe ce qui se passe, ce qui nous frappe ou combien on souffre. C'est Dieu qui se charge de nous éduquer et qui nous améliore avec ses paroles pour qu'on fasse de la vérité notre vie. C'est encore récent, ça fait peu de temps qu'on croit en Dieu. Beaucoup de vérités nous échappent. Dans quelques années, on les comprendra beaucoup mieux, lui et ses paroles aussi. On saura ce que veut dire obéir à l'œuvre de Dieu. En fait, on a traversé tellement d'épreuves. C'est Wenya qui en a le plus souffert. Elle était si jeune quand on l'a privée de la chaleur d'une famille. Et maintenant, son père nous a quittés. Si elle ne croyait pas en Dieu, elle serait accablée par le chagrin. En tant que mère, je me sentirais impuissante. Ça va mieux maintenant. Depuis que je crois en Dieu et que je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant, je comprends que toute cette souffrance a une véritable raison d'être, nous faire gagner en maturité. Je ne comprenais pas avant et je pestais contre le ciel et la terre. Comment j'ai bien pu être si bête et rebelle? Wenya, tu sais, il y a tant d'enfants qui n'ont jamais traversé de réelles épreuves, et bon nombre n'ont jamais souffert. Résultat, ils ne sont pas armés pour affronter la vie. Ils ne sont pas capables de vivre seuls et ils sont très fragiles. À l'opposé, il y a ceux qui souffrent depuis toujours. À l'âge adulte, ils sont très forts et déterminés. Et ils peuvent vivre seuls. La vie d'un être humain est faite de complications, de haut et de bas. On émerge tous de la difficulté. Alors souffrir, ça a beaucoup de bons côtés. Tu comprends? C'est bénéfique à long terme. Ça te semble cohérent? Vous nous avez très bien expliqué les choses. Wenya, réfléchis. Si on n'avait pas enduré tous ces revers de fortune, maman n'aurait jamais pensé à croire en Dieu. Quant à toi et moi, jamais ça nous serait venu à l'idée. À mon avis, cette bénédiction est sortie tout droit d'un malheur. Maman, Xinming, après vous avoir bien écouté, mon cœur est plus léger. J'ai compris que tout ce que j'avais enduré, c'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Que tout ça m'avait été bénéfique. Si j'en avais pas autant bavé, je sais bien que je ne croirais pas en Dieu. Je me serais sûrement laissée entraîner à boire, jouer, aller dans les cybercafés ou au karaoké. Je sais maintenant que tout ce que j'ai vécu a été orchestré par Dieu pour que j'obtienne sa protection. C'est sa façon de nous aimer. Je dois tout faire pour croire en Dieu et chercher la vérité. Es-tu conscient du fardeau que tu portes sur tes épaules, de ta commission et de ta responsabilité? Où est ton sens historique de mission? Ta tâche est-elle lourde? Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles et éperdus, gémissant dans les ténèbres. Où est le chemin? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement
et disperse la force des ténèbres qui a accablé les hommes depuis tant d'années. Qui peut savoir exactement avec quelle anxiété ils espèrent et comment ils languissent jour et nuit après cela? Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans les géoles des ténèbres, sans espoir d'être libérés, même le jour où la lumière illumine. Quand cesseront-ils de pleurer? Ces esprits fragiles, à qui on n'a jamais accordé le repos, souffrent réellement d'un tel malheur. Ils ont longtemps été condamnés sur place par d'impitoyables cordes et l'histoire qui est figée. Qui a jamais entendu les cris de leurs gémissements? Qui a jamais vu leur misérable visage? As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente qu'il a créée de ses propres mains endurer un tel tourment? As-tu oublié que tu es l'une des victimes? Dans ton amour pour Dieu, ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à sauver ceux qui ont survécu? Ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à rembourser le Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son propre sang? Maman, notre famille, je pense qu'elle a eu droit à un très grand honneur. Tu vois, on a été confrontés à de véritables épreuves. Et d'un seul coup, on a entendu la voix de Dieu qui nous a élevés jusqu'à son trône. Ah, c'est la grâce de Dieu. Ces derniers temps, j'ai pu ressentir la joie de croire en Dieu. Je sens que mon chagrin s'est évaporé. Désormais, je vivrai dans la paix et la joie. Mais je me dis que il y a sûrement beaucoup de gens qui vivent dans la souffrance et la tristesse comme on le faisait avant, et qui n'ont pas eu la chance d'entendre la voix de Dieu. Ils sont encore plongés dans les ténèbres. Je crois que il est de notre devoir d'accomplir notre mission, de leur enseigner l'évangile de la descente du règne, afin qu'ils puissent retourner dans la maison de Dieu et jouir de son amour. Oh, c'est très beau. On doit faire connaître l'évangile à ceux qui ont des difficultés et les accompagner devant Dieu. Ce serait conforme à la volonté de Dieu. J'entends souvent nos frères et sœurs dire que beaucoup de gens veulent l'apparition de Dieu. Mais ils sont encore trompés par les pasteurs et les anciens du monde religieux et le gouvernement. Pas capables de venir devant Dieu. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se démènent et qui sont coincés dans un combat pour la célébrité, le confort matériel et le statut. Ce sont des proies idéales pour Satan, et ils vivent dans la douleur. Dieu a le cœur triste et soucieux. Il attend avec inquiétude qu'ils viennent devant lui et qu'ils s'écartent de la nuisance de Satan. Souvenez-vous, c'est quand on était au plus bas que Dieu a envoyé des frères et sœurs nous prêcher l'évangile. Ce n'est que là qu'on a accepté son œuvre des derniers jours et qu'on a échappé à Satan, et qu'on a senti les bienfaits de croire en Dieu. À partir de maintenant, on doit faire tout ce qu'on peut pour répandre l'évangile, pour que ceux qui vivent dans les ténèbres entendent la voix de Dieu et se débarrassent à jamais de Satan, et se présentent devant Dieu pour pouvoir trouver le salut. Il faut qu'on mérite l'amour de Dieu. Maman, ça fait déjà un moment que je veux répandre l'évangile et faire mon devoir. Mais en fait, j'ai peur de ne pas avoir compris la vérité. Alors comment je pourrais, moi, l'expliquer aux autres? Quand j'entends les frères et sœurs qui racontent comment ils ont été guidés par le Saint-Esprit dans leur mission, je suis profondément émue. Gloire à Dieu. J'ai parfaitement compris qu'on est vraiment béni de Dieu que quand on fait son devoir. Même si on ne comprend pas encore tout, on peut quand même aller avec nos frères et sœurs répandre l'évangile. Ça nous aiderait à comprendre la vérité plus rapidement, tu crois pas? Ah, tiens, allons avec ta tisane demain, répandre l'évangile et témoigner pour Dieu à nos proches. Ok. Maman, tu en dis quoi? Très bien. Pour commencer, Tati est la personne idéale. Aller chez elle demain est une très bonne idée. Oui. On va faire ça alors. Génial.
Wenjing, t'aurais pas une petite idée d'où j'ai rangé ma valise? Tu devrais regarder tout en haut de l'armoire. Ah, oh, bien sûr. Où est ma maison dans un ciel?
une maison.